Bonjour, je vais vous montrer comment réinitialiser votre carte réseau Wi-Fi ou bien la carte réseau filaire. Donc, avec un simple geste, si vous avez Windows 8, 8.1 ou bien Windows 10, donc c'est tout simplement donc vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône réseau et vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur ouvrir le centre réseau et partage. Et après, à gauche, vous cliquez sur modifier les paramètres de la carte. Et après, vous pouvez désactiver. Donc, pour la carte réseau, donc, il suffit seulement de cliquer avec le bouton droit de la souris. Vous aurez un menu contextuel et vous cliquez sur désactiver la carte. Donc, apparemment, donc, comme vous voyez ici, donc, tout en bas à droite, ma carte, mon réseau est désactivé. Donc, pour le réactiver, tout simplement avec la même manipulation, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et après vous cliquez sur activer. Donc cette manipulation vous permet soit pour si vous voulez, si vous désirez désactiver votre carte réseau ou bien si vous voulez la réinitialiser, donc en la désactivant et la réactivant. Donc ça permet une réinitialisation de la carte et ça peut résoudre des problèmes de connexion. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.